Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va. Et aujourd'hui, d'après la 20e étape, comment ça s'est présenté? Ça s'est bien passé, bon, un peu de difficulté au début de l'étape, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent au niveau du diamant, après le grain qui est passé, donc, mais sinon ça a été. Ouais. Donc, l'idée de faire l'Ayol. Eh ben, c'est génial, c'est quelque chose à essayer au moins une fois dans sa vie. Je conseille à tout le monde d'ailleurs. Et voilà, c'est le principal. C'est une expérience à essayer. C'est venu tout seul ou alors il y a eu des parents qui ont conseillé, il y a des parents qui ont été yolés aussi? Ben, au début, c'était mon frère en fait qui faisait ce sport et pendant les vacances, il m'emmenait avec lui et puis au fur et à mesure, ça a été. Je suis restée. Et ça t'arrive d'être sur le bois de l'été, de ranger, de faire entrer, changer de bord, des choses comme ça? Ben oui, ben, le bois de l'été, c'est mon poste en fait. Ah bon? Donc réellement, oui, je suis habituée, mais je fais du gommier aussi. Donc. Ah oui. Ça se passe, ça va, je me débrouille bien. Avec la Eugène? Non, à Californie, avec Petito. Petito? Oui. Ah ben oui. Alors donc, on va l'association du savoir, mais la radio Andy FM Martinique te félicite et te dit bon, ben, de continuer dans le bon sens, dans cette voie. Et puis, rassure-toi qu'on est là avec toi et puis on attend la journée de demain pour avoir plus de joie. Quoi. D'accord, ben, ça fait plaisir en tout cas. Merci à vous encore et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont autour de nous, que ce soit les partenaires, le staff, etc., les parents, les supporters. Et voilà, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Et le prénom, c'est comment? Maïlis Soleil. Maïlis Soleil, oui. Comme le soleil. Oui, comme le soleil. La joie et la gaieté. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.